Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2. Et nous en sommes à l'épisode 3, comme d'habitude je vous conseille écouteurs ou casques. Aussi pourquoi pas un petit truc à boire, un petit truc à manger et surtout vous plonger dans le noir, c'est toujours plus sympa. On est parti, on avait la clé de pique, on avait rejoint notre ami dans le hall qui nous avait dit que Claire Redfield était atteignable par les hauteurs. On va pouvoir déverrouiller de nouveaux lieux et ça, très honnêtement, c'est plutôt cool. Ici, hey, ok, ici il y avait bien la porte que je pensais. C'est parti. De retour, on n'a toujours pas vu le Lickers. On est qu'à l'épisode 3, on avance très lentement. Mais qu'est-ce qu'on apprécie par contre? On y va, ouvre-moi ça, régale-moi s'il te plaît. Et même en bas, j'avais souvenir qu'il y avait des portes ouvrables avec la clé. Vous pouvez vous débarrasser des objets déjà utilisés et marqués d'un symbole croix en sélectionnant la commande jetée. Ah! D'accord, on n'aura plus jamais besoin de cette clé. On peut l'acheter, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, mais je me dis, et si c'était un trap, tu vois ou pas le truc? Si c'était un trap et que finalement, un jour, on en aurait peut-être besoin. Ah, j'ai pas envie d'y croire. Allez, on va le faire, on va le jeter. Normalement, pas de regret, allume ta torche très rapidement parce que là, je suis pas bien. Ok, on a une porte ici. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce putain de bruit? Ok, on a deux planches. On a quelque chose ici, il va falloir une manivelle, très bien. Encore une. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok. Ah! J'ai déjà vu cette photo quelque part. Très bien. Article, la pierre rouge. Le rubis qui captiva le prince Édouard de Woodstock, la perle que bute la reine de Nil, le diamant qui mena une reine à la guillotine. Les histoires liées à l'attrait exercé par les pierres précieuses sont légion. Cette mystérieuse pierre rouge n'est que la dernière d'une longue série. Comme les autres pierres, l'origine de celle-ci est inconnue. On dit qu'elle orna jadis la boîte à bijoux du noble et qu'elle fut même attribuée à un roi sage. Cet automne, cette pierre auréolée de mystère sera exposée à l'occasion des enchères. De nombreux passionnés devraient s'y bousculer. Mais, chers lecteurs, faites preuve de prudence, car le mal est tapis dans l'ombre de la beauté. Cette pierre a transformé des nobles soucieux de leurs sujets en despotes plus terribles que Caligula. Et nos histoires le prouvent. C'est le sang versé pour ces joyaux qui les rend si brillants et corrompent le cœur de leurs propriétaires. Très bien. Petite histoire au sujet de ce diamant. Oh putain. Oh putain de merde. On a la carte d'accès de l'armurerie, sûrement pour le fusil à pompe. On va ouvrir très vite la carte, les gars. C'était où déjà l'armurerie? Je crois que c'était tout simplement au premier étage. Bougez pas, hop, changez de niveau. L'armurerie, salle du gardien, salle de pause, salle de conférence, réception, salle des casiers. On l'a l'armurerie. Armoire à fusil, c'est par ici. J'ai envie d'y retourner. J'ai clairement envie d'y retourner. Maintenant, on va récupérer le joyau tout de même. Ah, d'accord, il faut lui mettre la main qui est ici. Hop, voilà, monsieur, vous êtes pris. La main dans le sac. Et c'est parti. Ok. Très bien. Je ne crois pas que ce soit cela, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que le joyau tombe. Alors attendez, ah oh, désolé je me trompe de touche, c'est terrible. Où est la photo que j'ai prise? Où est la photo que j'ai prise? Oh, elle est là. Ah, il manque le livre. Il faut trouver le livre, très bien. Eh ben on va le trouver les amis. Mais avant cela, si ça ne vous gêne pas, on va tout de suite revenir en arrière, aller à la salle des fusils pour récupérer sûrement le fusil à pompe qu'il nous avait offert. Gracieusement dans la démo et que je n'ai jamais utilisé malheureusement. C'est parti, on va récupérer le fusil. C'était au premier étage, si je me trompe point. Donc chaque chose en son temps. On a le temps, on a le temps de kiffer, on a le temps d'apprécier. Il n'y a pas de problème là-dessus. Peut-être, attendez. Hop, voilà, pour une fois que je me trompe pas de touche. Dans l'affichage, l'effet de grain le retirer. Je pense que ça ne peut être que mieux.
Et ça pourrait être que plus clair aussi, je pense. Ok, je ne vois strictement aucune fucking différence. Mais sachez que j'ai pris du plaisir. Oh! Désolé. J'ai stressé d'un bruit. Ok. Je commence à voir la gorge nouée. Très bien. C'était par ici. Oui, forcément. Oh la vache. Je reviens au même endroit que j'ai déjà fouillé. Mais ça fout toujours aussi... Autant les jetons, très bien. Faut vraiment que je fasse tout le tour, les potes. C'est pas sympa. Ah! Ah! Putain. Ok. Eh, bats les couilles. Voilà. Parce que je déteste ça. Putain, il y a une nouvelle fenêtre là-bas. Il y a des fenêtres partout, c'est terrible. Et vous savez quoi, faudra bien les utiliser un jour. Hop, ça dégage. C'est pour ça qu'ils reviennent, ces salopards. Non, il y a trop de... Oh non, vous abusez, il y a trop de fenêtres. Ok, c'était par là. Et ensuite, c'était par là-haut. Juste derrière. Je crois, il me semble. Pas envie de dire n'importe quoi, c'est possible. Attendez, on y va. Bah alors? Ok. On est bon là, les gars? Parce que c'est terrible là, ce que je suis en train de faire un peu, hein. Ok, on est totalement bon. C'était là-dedans. Allez! Il est temps d'utiliser cette carte magnétique. Après, on va pouvoir l'acheter, je pense, pour récupérer le fusil à pompe. Sait-on jamais? On risque d'en avoir besoin bien plus tôt que... Ma gueule. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait juste des cartouches. On prend... Là, tu me fais plaisir, mon pote. Là, tu me fais clairement plaisir. Ok, on reload. Et normalement, la carte a disparu. Impeccable. Hop. On va pouvoir faire ça. Comme ça. Très bien. Fusil à pompe. C'est fait. On continue. On n'a toujours pas la touche de rechange. Mais si jamais je me chie dessus, les gars, je sais que je vais pouvoir pépon un maximum. On va se casser. On va se casser. Je sais pas par où je vais. Je ne sais plus. Par où je vais. C'est terrible l'ambiance. C'est terrible. Ok. Là, je crois qu'il n'y avait rien de souvenir. Voilà, j'ai pas la valve. Très bien, de toute façon, on reviendra par ici. Désolé de tous ces allers-retours. On va pouvoir partir. Je crois qu'on peut passer par là-haut. Il y a quelque chose, hein. Il y avait quelque chose. Putain, ça fait toujours stresser. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. De souvenir, il n'y avait strictement rien. Putain, j'ai fait tout ça pour rien. Et quand va falloir revenir ici, je vais me chier dessus. Dès que j'ai un briquet, on s'occupe du C4 en haut. Je sais pas d'ailleurs. Je sais pas comment on peut s'occuper du C4. Je sais que dans la démo, certains ont trouvé comment s'en charger. Alors comment je peux partir? Là est la question. Peut-être par ici. Je vous avoue, j'ai fait tout ça pour un pont, mais ça valait le coup, les gars, ok? Donc j'aimerais qu'on arrête de me juger. What? Ah oui, je suis venu par là. Et je peux plus repasser par ici. Ok, par contre je peux repasser par ici. C'est très bien foutu. Ah, c'est un level design d'exception. Ok, on y va. Putain, on a perdu 10 minutes pour un peu pont, les gars. Eh, je suis pas déçu, hein. On y va, hop. C'était totalement en bas. Attends, je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu, putain. Oui, c'était par ici. C'était totalement par ici. Non, attends, je suis fou, je crois. Non, c'était par ici. Non, je suis cinglé. C'était pour récupérer le pompe. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis désolé. On y va. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui t'arrive, B-Boy? Tu perds tous tes moyens, c'était en haut. Aïe, 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 aïe. Bon, 4 cartouches pour un Lickers. Je suis pas sûr que ce soit suffisant, pour être très honnête avec vous. Mais, on va voir. Sait-on jamais, j'ai le carnet pour récupérer aussi aux autres statuettes. Parce qu'il y aura 2 autres statues normalement, avec une petite ligne. Voilà, c'était par là. On peut reprendre l'histoire
là où on l'a laissé. Ok. Quoi? Putain, mais oui, j'avais oublié qu'il y avait un hélicoptère qui se crachait dans le Comico. J'avais totalement zappé. Va falloir même éteindre un feu. Claire, bouge pas, j'arrive tout de suite. D'accord. Claire, je suis content de te voir. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe? Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors? On va dire que je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Claire, va-t'en de là. Allez. Hé, on va s'en sortir, tous les deux. Ok. Donc il y aura normalement Marvin, bien plus de zombies. Ça chauffe par ici. Ça grouille de zombies. Marvin, vous me recevez? Voilà mon pote. Pince coupante. Hey. Marvin. Merde. Ok, on va découper ça au calme. Pas de soucis. Et je me souviens de tête qu'il y avait un autre cadenas qui était là où on était. Tu peux remonter là-haut ou pas? Oh, attends. Je t'ai vu mon frérot. Yes, ça je prends. Allez! Et j'ai pas mal de balles les gars. Oh putain, je t'ai vu. Ça je prends. Pas mal de balles. Là c'est bien sombre hein. Je vous rassure, je sais pas où je vais. Ah putain! Oh le con! Ok, je suis en danger. On sent. Ok. Ferme-la. Ça dégage. Oh putain de merde! Oh là là! Ouais, c'est pas grave, it's okay. Oh la connerie! Ok. Là, y'a rien à faire. Oh, une plante! D'où Jésus? Hop, c'est un signe, hein. Oh putain. Ok. Rassure-moi, les cadavres, ils vont se décomposer là avec. Non? J'aime bien que ça disparaisse, ça. Bon, y'a une nouvelle porte en bas. On y va, je sais pas du tout où ça mène. Ah! Ok. Ça mène là où on a découvert le premier zombie. Stop! On va faire un petit tour sur la carte si ça vous gêne point. Ici, il y avait une chaîne dans les bureaux. Est, nickel. Ici, on sait pas ce que c'est. Donc, chaîne là. Juste ici. Aucun problème. Hop, utilisé. Impeccable. On y va, on va découvrir une nouvelle pièce. C'était sûr. Allez, faut mourir, monsieur. Ok. C'est bon. Monsieur? Monsieur a la tête solide? Monsieur n'a plus la tête solide? Bon, eh ça les gars, je veux plus en entendre parler non plus. Ça dégage, hein. De toute façon, on retournera pour l'hélicoptère. Ok, une balle. Deux balles. Trois balles. Ok. Une balle. Bordel de... Deux balles. Trois balles. Hop, toi tu te perds. Ok.
Ok. Pas évident, toutes ces histoires. Grenade étourdissante, ça c'est plutôt cool. Armée lancée. Très bien. Très très bien. Changer l'arme secondaire. Oh. Ok. On a des nouvelles balles de pistolet, 10 balles, c'est plutôt cool. Et là j'ai plus de planche malheureusement. Mais normalement ces bureaux, on va pas y passer notre vie. Lui il est un peu louche. Ça va. Très bien, on continue. Oh! Oh là là! Alors, on a un volant. D'accord? Ce n'est pas un volant de voiture, vous l'aurez compris. Poudre supérieure! Ça c'est bien aussi. On a beaucoup de choses très bien. Non, va falloir les utiliser. Mais c'est pas vrai! Composant! Oh la vache! C'est le fusible. On va pouvoir le remettre, souvenez-vous, après le grillage. Ah merde, mais les gars, moi je peux plus. Hein. Au bout d'un moment, je sais qu'il y a une poudre ici. Au bout d'un moment, là, je peux plus. Trop, c'est trop. Ça, ça dégage. Très bien. Une nouvelle porte. Ah oh putain! Oh. Ouf. Flashbang. Putain de merde. Putain, c'est celui que j'avais laissé devant. Salopard. Salopard de tes morts. Grand de chèvre. Ok. C'est terrible. C'est terrible. Hop, on va utiliser le fusible. Ça c'est fait. Normalement, plus de soucis à ce niveau-là. On va pouvoir récupérer d'ailleurs notre petite poudre des familles. Ça c'est plutôt cool. Ok, bon, on a une valve pour fermer. Quoi? Merde. Frérot, les gars. Toi t'abuses. C'est quoi, je te laisse, t'abuses pas. Toi t'es un forceur de ouf. Ok, on peut pas fermer. Ouais. Non, il abuse vraiment. Je suis retourné pour voir s'il abusait toujours et... Il abusait toujours. Allez, on va save. Alors attendez, 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 attendez. Parce que là, j'ai quelque chose de très intéressant. On va combiner ça à cela. Trois cartouches de pompe, c'est plutôt pas trop mal. On va switcher comme ceci. Et on va déposer l'herbe. Attendez, je peux même transporter toutes les cartouches avec moi finalement. Voilà. Je nous prends une herbe rouge pour combiner comme ça. Voilà, on verra ce qu'on fera du mélange un peu plus tard. Déposer. Et là, on n'est pas trop mal. En vrai, on n'est pas trop mal, les gars. Normalement, ça devrait le faire. Ok. On a nos deux outils. On va faire une petite save quand même, hein, si ça vous gêne pas. Sauvegarde du contenu et on est reparti. Ah la vache, c'est terrible. J'ai stressé deux fois, là. Ah, je les compte, hein. Je les compte, je te le dis, mon pote. Hein. La valve, elle était où, les potes? On va voir le schéma. Ici, c'était une porte totalement verrouillée, évidemment. On adore les portes verrouillées. Porte totalement verrouillée. Ok. Bureau ouest, on a un coffre. Terminal des casiers, ce n'était point là. On a un évier. Coffre, ok. Statue, on s'en fout. C'était pas là, c'était totalement à l'étage, me semble-t-il. C'était totalement à l'étage. Est-ce que vous confirmez ça? Yes, cadenas et valve. Ok, bah là on a les deux. Très bien, on va repasser par la bibliothèque. On va escalader. Damn. Ou alors on peut passer par ici. On va direct passer en haut, hein, je crois. On va direct passer en haut, les gars. C'est parti. Là, il y avait quoi déjà là? Yo. Oui, c'était le raccourci que j'allais faire. Normalement, en haut, ça devrait être bon. C'est en plus une porte-clé de pique. Donc là, on avance plutôt bien. Ah, c'est ça, les raisons de vie à l'ancienne. Ah oh. Je sais pas ce que j'ai tenté. Hop, une patate, hein. Tu dégages. C'est l'enfer qui t'attend. Ok. Ok, nickel, quand tu prends ton temps. Yes, on adore. Ok. Des fois les zombies sont en 2 FPS, c'est très chelou.
Allez, viens, mon pote. Toi et moi, on va se la donner. Octogone. Voilà. Ça t'a plu? Ok. Un couteau tout neuf. Attends. Voilà, mon pote, hein. 8 ans de kung-fu. Quoi? Vous êtes les pires forceurs du monde. Ça va, t'as cette taillade sur le dos. Putain, c'est pas vrai. Wesh, tu lâches jamais le morceau, toi. C'est un truc de ouf, hein. Toi, tu lâches pas, toi, t'as la dalle. Bon, je commence à être blessé, ça c'est très 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 chiant. Ok, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, je peux maintenir, c'est vrai. On fouille tout. Ah, yes. On a le livre rouge à mettre dans la main. Ça se débloque, ça se débloque. Très très bien, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ok. On va pouvoir avoir autre chose. Souvenez-vous, c'était où? C'était le livre. Est-ce qu'on l'a, le livre? On l'a. On l'a totalement. Alors, montre-moi un petit peu à quoi ça ressemble. Tête, arc, serpent. Et merde, j'ai pas regardé le bon. J'avais une chance sur deux, les gars. Ok. Oh, damn. Ok, scorpion. Scorpion vase. Et scarabée, sûrement, je sais pas trop. J'ai pas trop connu. Poisson, c'était un poisson. Poisson, scorpion, vase. Deuxième jeton, les potes. Deuxième putain de jeton. Et ça, les gars, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plan du commissariat, étage supérieur. Yes. Ok, bon, c'est pas rassurant parce que ça nous montre énormément de choses à découvrir encore. Et là, de la poudre noire, les gars. Ça devient complicado. Commence à y avoir beaucoup de choses à faire et à débloquer. On continue. Attendez. Je vais me poser calmement. Là, il n'y a rien à faire. Je vais me poser calmement dans le coffre. J'ai beaucoup trop de trucs. Peut-être me soigner, peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Prendre une herbe. Ouais. Allez. On va tout poser dans le coffre. On a déjà 2 médaillons pour ouvrir. La sortie du comico, c'est plutôt cool. Ça, ça dégage. Le livre. Hop, ça, ça dégage. Le couteau, on va le mettre ici. Ça, le pompe ici. Ok. Et ça, c'est pour les énigmes. J'en ai 3. Alors que je m'en débarrasse très vite. Et on est bon. On est bon, les gars. On va pouvoir continuer. Peut-être un soin au cas où. Putain, ça veut dire que j'ai qu'une place. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Peut-être un soin, ça me semble primordial parce que je suis déjà bien touché. On va pas l'utiliser. Vraiment, le but, c'est l'utiliser au dernier moment, histoire de récupérer un maximum de soins et de rendre optimal la chose. Commence à devenir complicado. C'est parti, on repasse en haut. Désolé de vous avoir gêné. Ah, il y avait quoi en haut déjà? Et j'avais pas eu le temps de finir d'ailleurs. Ok. Ça va être compliqué tout ça. On a une herbe, incroyable. Non, pas du tout. C'était un vieux vase dégueu. Ok. Oh, j'ai peur. On va tout revisiter. Est-ce que là un coup de cut ça marcherait pas dedans? Non. Ok. Et on sait jamais, les gars, hein. Jugez pas, ok? Je vous juge pas, vous me jugez pas. On a toujours pas vu le Lickers. Oh, j'ai peur d'avancer, putain. Putain, mais c'est qu'une porte. Mais quelle porte? Ok. Ne bougez pas. On y est bientôt ou pas? Canna. Oh. On avait un cadenas juste ici. Ah oui, mais... C'est pas le cadenas que je pense.
Bon allez, direction la douche. Là où il y avait le placard, pardon, avec le mec enfermé dedans. D'ailleurs, ça doit être horrible. C'est qui de son vivant qui a enfermé un macabé là-dedans? Ok. What? Les frérots? Il y a quelqu'un? Ok. Allez, c'est parti. Nouvelle salle. C'est bon, une place est libérée encore. Ça je sais pas, hein. Vraiment les deux cadenas là. Il y a deux ou trois cadenas ici. Ok. Écoutez, on n'est jamais trop prudent. Ils ont réussi à faire en sorte que les zombies fassent flipper. Et ça peut paraître bizarre, mais avant c'était compliqué. Ok. Très bien, là il n'y a rien. Tout ça pour aller où là? Wow. Ça me dit rien ici, hein? Oh, balle de pompe. Oh, balle de pompe. Ok. Laissez-moi vous décrire ce qui va se passer. Grand couloir, balle de pompe. Ah! Ah! Ok, c'est bon, j'ai le réflexe. Oh la vache. Merde. Oh. Je vous avais dit quoi? Ils sont là, les Lickers. Ils sont là. Merci pour le cut, frérot. Aïe, aïe, aïe. Oh, je l'avais pas vu, ce con. Ok. Attendez, encore une fois. Bureau des stores. Armurerie. Oh, vous allez m'ouvrir ça, hein. Ok, très bien, une plante. J'adore les plantes. On a un PC. What? Bah, à part un disque, je vois pas... Ouais, je peux rien faire. On a un ordinateur. Forcément. Ah, putain, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit. On repart. Yes. Authentification, insérez votre clé USB. Yes. J'adore. Bah ouais, putain, y'a quoi là? Oh, damn, un magnum. Et je parle pas de la glace. Ok. Les gars, 4 clickers, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup pour un seul homme, les potes, hein. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Oh, un spray, putain. Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh. Commence à faire beaucoup de choses. J'ai plus la place, hein. J'ai plus la place, j'ai plus les mots, hein. On reviendra ici. Oh la vache. Ça a sucé du cerveau ici, mon pote. Ok, on est vers où, là? Salon, et on repart à la bibliothèque dans pas long. Bah oui, il me faut une clé. Clé de carreau que je n'ai point. Hop, on déverrouille. Oh la vache. Ok, je me sens un petit peu plus en sécurité par ici. Bon. Les gars, on va s'arrêter là. Les gars et les femmes, évidemment. On va s'arrêter là, pardon, excusez-moi, je bégaye, je zozote, évidemment, quand je suis en stress intense. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Vous êtes incroyables, vous êtes beaux, ne l'oubliez jamais. Et laissez personne vous dire le contraire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Portez-vous bien. Ciao, ciao.